bonjour. Eh bien, en ce samedi magnifique, c'était pas prévu qu'on ait un temps comme ça. On est tous là envers et contre tout le temps et les adversaires du jour. Citroën, nous sommes présents avec la section depuis 10 ans maintenant. Et c'est important d'être là avec la section, une fois de plus contre eux, avec eux, de façon à se battre pour terminer la saison en beauté. Et c'est un match important, il reste 5 matchs. Et aujourd'hui, Citroën est là pour pousser avec la section, encore une fois, envers et contre tous. Un pronostic pour cette rencontre ? Une simple victoire. Une victoire, 4 points, et je pense que ça sera bien pour la fin. Bon match alors. Merci, bon match. Donc, bonjour, on est à la mi-temps du match section La Rochelle. Bon, déjà, un petit ressenti sur cette première mi-temps. C'est dur, mais on ne se montre pas. C'est super. Franchement, c'est un match de haut niveau et on n'est pas ridicule, loin de là. On a toutes nos chances. La section, on est dans le sud depuis le début de la saison. On est partenaire. Yes. Bon, par rapport à cette rencontre, pronostic pour la fin de cette rencontre. Ah, ça va être dur. J'aimerais bien que la section soit juste devant. La Rochelle à la fin nous peut, mais juste devant. Donc envers et contre tous. Envers et contre tous, on y est, on y sera. Ça marche. Merci, bon match. Merci. En tout cas. C'est un match difficile, engagé. Nous donner un peu ton sentiment sur cette rencontre ? Ouais, tout à fait, c'était vraiment un match très engagé, surtout face au leader aujourd'hui du top 14 qui vient d'enchaîner une 10e grosse performance. On le savait, et je pense qu'on n'a pas à rougir de nos prestations parce qu'on a vraiment tout donné. Et aujourd'hui, le meilleur a gagné, donc à nous de nous resserrer, de nous solidariser et de pouvoir directement basculer sur le prochain match. Donc voilà. Le groupe était déçu, je suppose, de cette défaite, mais prêt pour les futures rencontres. Bien sûr qu'on est tous déçus, parce que quand tu perds un match comme celui-là, et encore plus à domicile, et qu'on a la prétention de rester dans les 6, bien sûr que tout le monde est déçu. Mais aujourd'hui, voilà, le maître mot, c'est vite basculer au prochain, apprendre de nos erreurs et être le plus performant possible en allant au Racing. Bonjour Fabrice. Bonjour. Le match est terminé. Malheureusement, c'est une défaite face au leader. Comment vous avez senti cette rencontre ? Ça a été un match très engagé, un match où ça s'est joué sur les détails. Aujourd'hui, on a fait trop de fautes, ce qui à la fin nous a fait perdre le match au fil du temps. Ils étaient vraiment au-dessus ou il y avait quelque chose à faire encore sur cette rencontre ? Non, je pense que si on avait été sur la même lancée que nos matchs précédents à la maison, en faisant le moins de fautes possible, je pense que ça serait ouvert au bout d'un moment. Là, le groupe est, je pense, a pris un coup, c'est 2 défaites quand même d'affilée. Comment vous sentez pour la prochaine rencontre ? Bah forcément, cette défaite, ça fait mal à la tête, mais voilà, on est frustré et maintenant on va se remettre au travail pour préparer et essayer de finir en beauté la fin de saison. Une qualif, toujours en tête, c'est un enjeu ? Je pense qu'on va arrêter d'en parler, on va s'occuper de nous-mêmes, se reconcentrer sur nous-mêmes et travailler pour essayer de faire les comptes à la fin de la saison. Comment tu t'es senti ? C'était ton premier match en top 14. Livre-nous un peu tes réactions. Déjà, la journée a été un peu longue, on va dire, un peu de pression avant ce match. Après, dès le début du match, la pression, ça se relâche. Et puis après, le match a été quand même assez physique. J'ai eu du mal à le finir d'ailleurs. Mais sinon, forcément, on est déçus de ce qu'il est fait. Mais on va essayer de rebondir au Racing dans 2 semaines. Pour toi, c'était un premier match en top 14. Tu sortais du tournoi avec les moins de 20. C'est complètement différent. C'est pas le même rythme. Ouais, c'est surtout le fait de se remettre en route dans tout le plan de jeu et tout qui a été compliqué en début de semaine. Mardi, à l'entraînement, j'ai eu un peu de mal. Mais sinon, là, au fil de la semaine, ça allait mieux. Mais ouais, c'est sûr que c'est assez particulier. Après, c'est physiquement que c'est un peu plus dur. Après, niveau vitesse, ça ressemble à peu près. Ouais. D'accord. Bon, une défaite, c'était la deuxième d'affilée. C'est une des premières fois de la saison que ça s'enchaîne. La spirale est un peu négative. Comment tu as senti le groupe ? Ils avaient envie de rebondir, envie de... Ouais, enfin, c'est... Tout le monde était quand même très déçu de perdre à la maison, mais tout le monde sent qu'on peut faire quelque chose encore. Le prochain match est très important. Un petit mot peut-être pour les supporters. Il va falloir que les supporters soient avec nous et surtout envers et contre tous. Bon, merci Romain. À très bientôt. Alors. Merci.